Alors, j'ai pratiqué dans le cadre de la formation des ateliers dans un cours moyen à Strasbourg. Et c'était des enfants que je connaissais déjà. Et j'ai été vraiment, mais vraiment agréablement surprise par d'abord la rapidité avec laquelle le langage s'est affiné. Il y a eu une recherche du mot juste parce que la situation le demandait. Et puis j'ai été étonnée finalement par la profondeur de leur pensée alors qu'ils ont 9 ans. Et là, je rejoins tout à fait Montaigne qui regrettait déjà que la philosophie se pratique tardivement alors qu'elle est école de vie. Et qu'il pensait qu'à tout âge, la philosophie peut apporter quelque chose. Oui, on est parfois étonné parce qu'on s'imagine que les enfants vivent leur vie d'enfant, mais à côté de ça, ce sont de très fins observateurs du monde des adultes et des relations humaines. Et on est parfois étonné de voir à quel point ils ont déjà des réflexions qui sont tout à fait intéressantes. Je pense que dans un premier temps, il est extrêmement important que les enfants développent leur expression orale. Il est extrêmement important qu'ils aient les mots pour exprimer leurs pensées. Aujourd'hui, les gens qui ont ces capacités-là tracent leur route professionnelle ou personnelle. C'est une première chose que l'on observe après 6 ou 7 ateliers philo. La deuxième partie, il est important que l'enfant développe sa pensée autonome, une pensée réflexive, et souvent c'est un grand bonheur pour lui de découvrir qu'il est le maître de sa pensée.